je refais le créneau. J'ai un peu l'air d'un con. Je peux pas se dire qu'est-ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, tu dis bonjour. 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 NJ, tu dis bonjour. Tu dis bonjour, NJ. Alors, ouais, voilà, c'est l'anniversaire du bidon. Pouilly en Auxois. On va s'arrêter. Il rigole parce que juste avant j'ai déjà filmé, sauf que j'avais appuyé sur photo. Bah allez, on s'arrête. Il a encore pas bu. Bouffer un bout. Et puis, oui, tu disais quoi tout à l'heure? C'est pas du bushcraft. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. Allez. Allez, santé. Santé, mais pas des pieds. Hop, de mon côté. C'est ça que j'adore dans le terroir. C'est pas mauvais. La France est belle. Tu viens? Que tu sois au moins un petit peu sur la vidéo. Viens. Ah ouais. Ah, t'es comme ça, toi. Ah, t'es comme ça, toi. Non. Eh, viens là, viens. Viens. Allez, vas-y. Moi je vais. Ben non, pas là, mets-toi là. Voilà. Tu dis bonjour à la caméra. Bon, ben du coup, on va se poser là. Hein, avec Mika, on s'est dit, ouais, putain, le lac, il est quand même vachement sympa. Donc on va rester ici quelque part. Les schtroumpfs qui ont déjà fait un feu, donc c'est déjà pas mal. On va se repiquer là-dessus. Et on va dormir là quelque part. Mika, il a eu une idée. Bon, on va voir. Mais alors, en termes de bois, bah rien. On a trouvé un bout de bouleau qui était déjà coupé. Alors, il n'est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave, ça va le faire. Et par contre, on a trouvé un bout mort sur pied. Donc celui-ci, il va nous aider à allumer le feu. Et puis ça va faire le reste. Pour le reste, ben, le dodo, on va se poser là. Moi, je pense que ça va être un petit peu chaud. Ça va être certainement la première fois qu'on va dormir l'un à côté de l'autre. Oups. Et ouais, on va dormir certainement l'un à côté de l'autre. Mais je pense que je ronfle plus fort que lui. Donc moi, je dormirai mieux que lui, ça c'est sûr. Oui, il souffre comme une vache.
Magré. Et puis, oh, non. Ouf. Oh, les patates. Oh, les patates. Elles vont pas mal, les patates. Angie. Elle attend, elle. Ouais, mais non, ce soir, non. Abuse pas non plus, quoi. Tu peux pas tout avoir tout le temps. Pourtant, le temps de sa chance. Qu'est-ce que tu viens de dire, là, là, fais ta sortie. C'est sympa, c'est que, bon, là, évidemment, eux, ils peuvent pas le voir. Je cadre ta lumière rouge, t'inquiète. Mais eux, ils peuvent pas le voir, mais nous, on voit quelques étoiles filantes, et ça, c'est cool. Ça, c'est génial, quoi. Silex. Essayez, il dit. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc. Eh ben dis donc, pourtant ça en fait des étincelles. Ton coton il est pourri ou quoi? Non, non. J'ai perdu la main. T'as perdu ta main? Donc, alors moi je dis au fait, hein, parce que j'ai oublié de le dire, comme prévu, j'ai gagné au couchage, hein. J'ai ronflé plus fort que lui, moi j'ai bien dormi. C'est quand, hein? Ça y est, tu l'as chopé. Oui. Donc, petit nid de fougère, si je ne m'abuse, docteur m'abuse. Ah, aurait-il éteint? Aurait-il éteint? Non, c'est bon. Alors, donc là bas derrière on voit toute la préparation, donc les brindilles et tout ça. Et puis on va essayer de pas le rater quand même. Oh, ça sent la barbe qui brûle, ça. Allez, 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 vas-y, oula, attends, c'est pas parti, hein. C'est éteint. C'est bon. Encore tué. Eh bien, disons. Voilà. Alors, on allume un petit feu, histoire de se faire à manger. Ce midi, Michael va nous préparer. Oui, il y a le cubi derrière lui. Bah ouais, c'est l'anniversaire. Puis même, on n'a pas besoin d'anniversaire pour avoir un cubi, d'ailleurs. Tu nous prépares une tarte à quoi, déjà? Je me souviens plus du nom. Tomate et moutarde.
Ah oui, tarte à la tomate et moutarde. Et puis moi, je vais faire des croque-monsieur. On va faire simple. On se régalera davantage ce soir. Ce soir, voilà. Je cherchais le mot. J'ai oublié comment on disait ce soir. C'est quand même triste. Mika a fait son fond de tarte à la main, roulé sous les aisselles, n'est-ce pas? C'est pas faux. C'est pas faux. c'est sa nouvelle lubie, ça. C'est pas faux. Monsieur, il a mis le nez dans Kaamelott et ça y est. Donc là, il est en train de préparer son fond de tarte. Alors ça va être la moutarde. Les tomates qui sont ici. Ici, moi, j'ai un croque. Donc, jambon de Bayonne, lamelles de poivron. Mozza, je vais remettre une tranche de jambon par-dessus et la deuxième et une deuxième tartine de pain, bien évidemment. Sinon, ce n'est plus un croque, monsieur, n'est-ce pas? C'est pas faux. Il est con. Pas assez encore. Oh, j'ai fait une grosse sieste tout à l'heure. Ouf. Ouais, ça a fait du bien. Oh, vache. Mais là, je me remets en jambe. Voilà, allez. Je rejoins Michael. Qui attaque l'apéro. Et oui, il est 19h déjà. Alors, on est bien dans l'herbe. Oui, on est bien dans l'herbe. T'as vu que t'as une araignée qui se balade sur toi? Ça te dérange pas? Non? Bon. Donc, Michael, sur notre deuxième spot, a sorti le tarp. C'est quoi déjà? C'est un 3 Fulgir qu'avait présenté en son temps notre ami David, la fougère. Et comme la dernière fois, il s'est posé sur le caillou. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. Et puis moi, j'avais la flemme. J'avais la flemme. Donc voilà, ça va être spartiate. C'est comme ça qu'on dit spartiate. Waouh. Alors, il en est où l'apéro, Coco? Il est goûtu. Il est goûtu? Jack D? Ouais. Jack D. Oui. Et je disais, il est 19h quand même. Alors, ce soir, attends, bouge pas. Tu peux le remontrer? Voilà. Oh, joli pain. Mika est en train de nous préparer un pain. Là, champignons, lardons, oignons. Ensuite, il y aura des cuisses de lapin. Et on va faire revenir tout ça dans du cidre. Elle est pas belle la vie? Oui, si. Fumer. Non, c'est vrai que... Là, on a même du laurier, du thym. On va remettre le lapin dedans. Si j'y arrive. Mouillé avec du cidre.
Non, lui par contre, il a un peu de riz. Parce que monsieur boudait parce qu'il avait pas de riz. Arrête, c'est toi qui fais ton lunatique. C'est pas moi. Bonsoir. À bientôt. Bon allez, ça y est, c'est fini. Encore une fois. Oui. On se voit l'année prochaine. Moi, je pense. L'année prochaine, il y croit en plus. Non, non, c'est fini, c'était le dernier. Bon allez, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. C'est un gros con. Allez, fais-toi. Mais je l'aime bien.